Le temps commence à se réchauffer un petit peu. On commence à avoir de plus en plus envie de vin un petit peu plus frais, un petit peu léger. Les apéros vont commencer en extérieur. Et je me suis dit qu'un joli chenin de Loire, ce serait une très 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 bonne idée pour bien démarrer cette saison. Alors, nous voici dans une région, une partie de la vallée de la Loire qui s'appelle le Haut-Layon. Le Layon, c'est surtout connu pour ses raisins qui sont un peu en surmaturité et qui font des vins plutôt sucrés. Hein, les coteaux du Layon. Mais on y produit aussi des vins secs. Il suffit de ne pas les laisser surmûrir et gagner ce botrytis là qui ferait des vins sucrés. Donc là on est bien dans du vin bien droit, bien sec, avec une touche minérale hyper hyper salivante, et c'est un domaine que j'aime beaucoup. On avait déjà eu un de leurs vins il y a quelques années qui avait énormément plu à nos abonnés, et on nous demande du chenin, du chenin, du chenin. Donc j'ai eu envie de proposer ce vin blanc qui va aller dans les box Taste Vin et Buissonnier du mois d'avril. Alors, pour déguster ce vin, regardez comme il a une belle limpidité. C'est exactement pareil au nez, de la précision, de la pureté. Et on trouve vraiment ce côté très expressif du chenin avec ses petites notes minérales et de fruits bien mûrs qui donnent hyper envie d'aller le goûter. Et en bouche, vous allez voir qu'on a à la fois de l'ampleur, un peu de gras et cette longueur minérale et salivante qui fait que c'est un vin qui va avec énormément, énormément de choses, qui va hyper bien avec des choses comme du ceviche, hein, les poissons crus un peu cuits au citron, comme ça on retrouve les petites notes de citron qu'on a dans le vin, avec du lapin à la moutarde, des choses qui ont quand même un petit peu de goût, même des plats un peu exotiques, une sauce saté, c'est excellent avec ça aussi, ou tout simplement en apéritif avec des crudités. Des choses toutes simples, y compris évidemment des fruits de mer, puisqu'on a ce côté un peu salin et minéral qui va très très bien avec l'iode.